Et yo tout le monde, c'est Darky, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on se retrouve pour faire le pack opening de fin de saison. Donc je suis déjà palier 35, mais franchement il reste pas mal encore de coffres à ouvrir, de paliers à débloquer. Et donc franchement, j'ai hâte de voir ça. Donc allez, c'est parti, on va appuyer sur Collect All. Donc aujourd'hui c'est vidéo pack opening, donc je pense que ça va vous plaire. Les pack opening généralement c'est ce qui plaît aux gens. Donc allez, on va partir sur Collect All. Et qu'est-ce qu'on a? 55 coffres. Et oui, le vampire, let's go. Nickel. Vampire x2. Ok, le fantôme royal, pas mal, c'est une très bonne carte en ce moment. Oh, et encore un vampire, mais oui, parfait. Un Wave Master, ok, ça me va. Franchement, c'est un héros pas mal à jouer, je pense qu'il est plutôt fun à jouer. Un Golden Giant, ok, c'est une carte que je joue, ça tombe bien. Enfin, un mini que je joue. Et j'ai débloqué le Barbarian King, le roi des barbares. Ok, pourquoi pas. C'est un héros qu'on voit pas si souvent que ça, mais on le voit quand même pas mal de fois. Donc franchement, je pense qu'il peut être pas mal à jouer. Et on m'a dit... Ah oui, Archer Queen, bah, évidemment, nickel, x4. Et on m'a dit que si je débloque tous les coffres du palier de combat, du pass de combat, pardon, j'aurai tous les héros au moins niveau 5. Donc franchement, incroyable. Je pourrais faire une vidéo test de tous les héros et c'est ce que je compte faire. Franchement, j'ai envie de tester tous les héros bouddhistes. Bon, ça c'est... Ça c'est ok, je joue pour autant, donc ça m'arrive de jouer, donc pourquoi pas. Shield Maiden x2 seulement, bon, un petit peu radin je trouve le coffre. Mousquetaire x3, alors Mousquetaire franchement, de ce que j'ai vu, c'est une carte qui est pas si jouée que ça, mais elle a pas l'air si nulle que ça, en vrai ça m'a l'air d'être une carte qui est vraiment équilibrée, donc ouais. Pas si fort que ça, mais je sais pas. Pas si jouée que ça plutôt, pardon, mais pas si nulle que ça. Et j'ai débloqué le Monk, oui le Monk. Monk qui est vraiment très très fort, hein, je crois, de ce que j'ai vu, franchement, c'est le One Punch Man. Pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai certainement un gif. C'est un animé où il y a un héros qui one-shot tous les méchants qu'il rencontre, hein, donc d'où le nom One Punch Man. Et j'ai débloqué l'Electro Wizard au niveau 3. Ok, le Wave Master x8, j'ai pas eu le temps de voir, je crois, x8. Valkyrie. Moyen, ça sert pour les boss de raid, mais sinon c'est pas si fort que ça. Le Monk x8, très bien. Bouliste, on prend. Le Vampire x4 ou 3, je sais plus exactement, c'est incroyable. Magic Archer, très bien aussi. De bonne carte, je trouve. Wave Master x2, Barbare. Roi des Barbares, pardon, x8, très bien. Encore, mais x2 cette fois-ci. Barbare, franchement, le Barbare, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un peu de mal à la jouer. Roi Squelette, pareil, j'ai. C'est comme le barbare, c'est pas des mini ou héros qu'on voit souvent, barbare ou roi des squelettes. On a vu le roi squelette, c'est l'un des héros les moins forts du jeu. Peut-être que je dis de la merde, je sais pas, mais en tout cas, à mon avis, de ce que je vois, c'est pas le héros le plus fort du jeu, loin de là. Et Phantom Royal x3, par contre, ça c'est très très bon à prendre puisque c'est l'un des meilleurs mini en ce moment. Le sorcier bof, on s'en fout un peu. Le Monk x2, très très bien. La guérisseuse x3, oui, c'est parfait. La guérisseuse, franchement, trop trop forte. Ok, x4. Et l'archer magique qu'on débloque 3 étoiles, ça parfait. Incroyable. Le roi squelette x2 seulement, ok. La reine des archers, encore une fois, x4. Et le vampire x8, et on a eu combien de vampires? Et incroyable, franchement. L'un des héros les plus forts, je pense, donc franchement, je suis content. Oui, je reste x2, x4 après. Ok. Shield Maiden x2. Pourquoi pas. Roi des barbares x8, qui permet de nous le faire augmenter, améliorer au niveau 3. Oh, on l'avait pas vu encore celle-là. Je sais plus comment ça s'appelle, le Royal Champion, je crois. Moi j'appelle Captain America parce que c'est plus simple, elle lance son bouclier comme Captain America. Et on l'a eu seulement en x2, donc le coffre était un petit peu radin. Et encore une fois, le vampire, x4. Rien des archers encore, ok. Wave Master qu'on débloque niveau 4. Incroyable. Encore la reine des archers. Non. Oui, le vampire. Ah, mais incroyable, le vampire, je sais pas combien j'en ai eu, mais je pense que je mettrai un petit compteur. Pour chaque héros, je pense que je vais mettre un petit compteur, ça peut être pas mal. Non. Wave Master x4, ok.
Et le Voice Master, le vampire, j'ai eu, je sais pas combien de fois, mais je verrai au montage, mais incroyable. Hein. 3 squelettes x 8. Vampire encore une fois x 2. 3 squelettes x 8 encore une fois. Ok. Et pour la fin, encore le vampire x 8. Je sais pas combien j'en ai eu, mais j'en ai eu au moins. Au moins 40, hein, je pense, facilement. Facile. Ah bah, il y a un compteur, ok. Bah, pas ok, ça me fera moins de montage à faire. J'ai eu 34, donc. Bon, j'ai dit 40, mais bon, j'étais pas très loin. 34 vampires, 28 Aquaman, 22 Reine des Archères, 4 Fantômes Royales, ça aussi c'est important de le souligner. Et seulement 2 Royal Champions, franchement j'aurais plutôt préféré avoir 20 Royal Champions et 2 Rois Squelettes, hein, sincèrement. Mais on prend, c'est pas mal. Et du coup après, une fois qu'on est palier 90, on a un petit bonus de... Pour compléter l'aventure road, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est en gros c'est un petit bonus. Chaque fois que tu collectes des carottes, vu que tu es niveau maximum, t'as plus de coffre à ouvrir, il t'a un petit coffre en plus à ouvrir. Je pense que c'est pas non plus incroyable. Et du coup, vous pensez que le pack opening s'arrête ici, mais non, je vais très certainement acheter le pass de combat. Non, j'ai mes clics. Ok, je pense que je vais acheter le pass de combat et du coup, on se fera une partie 2 du pack opening avec tous les coffres qui sont du coup sur la gauche, donc ça sera, il y aura plus de coffres à ouvrir logiquement, et donc j'ai hâte de voir ça, et ça sera demain du coup. Et oui, ça sera pas dans cette vidéo aussi, je vois que la vidéo dure 7 minutes pour un pack opening, c'est déjà pas mal je pense. Donc voilà, il y aura une partie 2 du pack opening où je vais acheter le pass de combat pour débloquer tous les coffres qui sont sur la gauche, donc là il y aura pas mal de coffres à ouvrir, hein. Encore plus que pour cette vidéo-ci. Donc voilà, on se retrouve du coup demain pour la suite du pack opening. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, gardez le smile.